Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le dernier Facebook Live de la journée du mardi. On est en troisième semaine de confinement. Je m'appelle Louis Wallace, je suis coach professionnel et puis j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Pauline Roussin-Bouchard. Pauline qui est numéro un amateur mondial. Salut Pauline! Salut! J'essaie de me concentrer un peu parce qu'avant le Facebook Live, on était en train de rigoler, on était en train de déconner. Donc là, du coup, il faut qu'on passe en mode, voilà, il faut qu'on fasse un minimum de sérieux, un minimum de sérieux, s'il te plaît, Pauline, pendant ce Facebook Live. C'est ça. Pauline, on va pendant 1 heure partager plein de super moments ensemble. On va parler un petit peu de ton swing. Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de devenir la meilleure joueuse amateur au monde? C'est absolument incroyable. Une grande fierté pour nous, les Français, d'avoir en haut de l'élite mondiale sur le plan amateur, d'avoir une Française qui est en haut avec le drapeau français qui nous représente. Donc c'est juste un honneur incroyable. Donc déjà un grand merci hein, de la part de tous les golfeurs français de nous représenter sur la grande échelle. C'est absolument formidable. Et puis pendant cette heure-là, on va surtout mettre en avant qu'est-ce qui t'a permis finalement d'arriver au sommet de l'élite. Parce que tu l'as si bien dit il y a quelque temps, et je veux que ça soit un petit peu la phrase, la thématique de ce Facebook Live. Quand on t'a posé la question sur une chaîne américaine, et c'est un grand coach américain qui t'a posé la question, qui est ton coach? Et toi, tu as répondu en anglais, I don't have one coach, I have one team. Je n'ai pas un coach, j'ai une équipe. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je me suis dit, mais elle a sorti d'un film, ça? Ou elle a cette éducation? Enfin, d'où c'est venu cette phrase? Est-ce que c'est quelque chose que tu. Que, est-ce que cet esprit américain, tes coachs depuis tes toutes petites, ta famille, qu'est-ce qui t'a permis de sortir une phrase pareille à un âge aussi jeune et autant de maturité? Je dirais que c'était par rapport à l'entente qu'on a et à l'osmose qu'on a entre tous mes coachs, que ça soit sur le plan physique et golf. Alain, David, Patricia, ils ont tous les mêmes discours en fait. Donc c'est surtout ça qui m'a permis de dire que j'ai pas un coach, je travaille pas avec qu'une personne ou avec cinq personnes différentes, mais je travaille avec une équipe. Ouais, ça c'est incroyable parce qu'en fait, on va parler justement le fait que tu sois, oui, amateur, mais d'avoir un staff professionnel autour de l'amateur. C'est une façon en quelque sorte de professionnaliser le passage entre le côté amateur et le côté professionnel. On reviendra sur les rôles de chacun de tes coachs. Et puis, on a eu le grand plaisir de ce matin de parler avec ton coach David Ames, ton coach anglais. Donc, j'étais content parce que tu vois, tu es française et en même temps, il y a mon côté double nationalité anglais où j'ai pu parler avec David qui est anglais, qui t'aide et aussi Alain Albert, notamment qui t'aide depuis le début, qui est là depuis que tu as 12-13 ans, il me semble. Donc, on aura l'occasion de partager quelques mots avec Alain Alberti et David Ames, deux coachs élites dans le monde du golf. Et je suis absolument obligé, Pauline, et j'en suis désolé, mais te faire un petit coucou de la part de mon papa et ma sœur avant que j'oublie. Donc, mon papa qui est coach de golf professionnel et ma sœur Rebecca, avec qui tu as eu l'occasion de partager des parties de golf en Grand Prix. Et je me souviens en fait d'une anecdote que je voudrais te raconter en quelques secondes. C'est j'étais à la maison en vacances, je crois que c'était au mois d'avril, dans le sud de la France, à Sainte-Maxime. Donc je sais que t'es pas très loin, t'es de Carqueiral. Et mon père, un jour, il rentre d'un Grand Prix où il avait caddié ma sœur. Et il rentre à la maison et il m'a dit, il était sur le canapé, il m'a regardé, il m'a dit, Lewis, j'ai rencontré une joueuse aujourd'hui là, qui a joué avec ta sœur. Elle va devenir une grande, grande joueuse de golf. Et moi, tu sais, moi, je dis, ah, ouais, ok. Il m'a dit, non, non, elle s'appelle Pauline et elle swing de malade et elle a un niveau, mais juste, elle va, c'est incroyable, elle joue. Et 5 ans plus tard, numéro un mondial, quoi. Tu vois, 5 ans plus tard, numéro un mondial. Donc, tu vois, putain, ça m'énerve de dire qu'il avait raison, mais là, pour le coup, tu vois. Donc, tu vois, enfin, tu partages les grands prix avec ma soeur, avec mon papa. Tu as toujours eu ta famille qui était derrière toi, tu as ta maman qui est 3 d'index. T'as ton frère qui est zéro, t'as ton papa qui était à un chiffre. Donc le golf, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que tu as développé dès le plus jeune âge grâce à une famille golfique. Complètement. Ah oui, même ma grand-mère a joué. Donc, tout le monde. Ouais, tout le monde, c'est ça, il y a toute la famille. À quel âge ça a commencé pour toi? À quel âge tes parents ils ont commencé à t'amener sur le parcours? Tu vois, moi ça m'intéresse de savoir justement à quel âge est-ce qu'une Ah bah, championne déjà. commence à découvrir ce sport qu'elle aime. Ma maman jouait quand elle était enceinte déjà. Donc le jour où elle a fait une stockette, elle s'est dit bon, faut peut-être que j'arrête. Et puis après, mon frère après a marché sur les greens. Et puis moi, quand j'avais 3 4 ans, j'ai commencé à manier les clubs un petit peu. Et puis je suis rentrée à l'école de golf à 4 5 ans. 4-5 ans. Et c'est,
Tu accompagnais en fait ta mère et ton frère qui en fait était coaché par Alain, il me semble, donc Alain Alberti. Et en fait, Alain m'a raconté tout à l'heure que tu vois, en fait, il te voyait comme ça traîner dans les parages avec ta mère et ton frère. Et c'est là où cette relation a démarré dès le plus jeune âge, quoi, 11-12 ans, il me semble. C'est ça, exactement. Je suivais mon frère qui avait ses cours avec lui, puis de temps il me donnait un petit conseil, mais sans plus. Et puis après, bah, je me suis dit, bah, j'ai complètement commencé à travailler avec un. Avec Alain. Et avant de passer la parole à Alain, je voudrais en quelque sorte, Pauline, que tu me dises quel tournoi, juste pour les personnes qui nous regardent, qui ne savent pas forcément comment on devient numéro mondial. Tu vois, la question c'est ben, qu'est-ce que Pauline a gagné, quel a été son parcours. Donc, sur les dernières années, parce que je sais que quand tu as rencontré David Ames, il m'a dit que vous étiez entre la 90e et la 100e place amateur, donc il y a quelques années. Comment on devient numéro un mondial? Qu'est-ce qu'on doit gagner? Quel a été ton parcours, tes victoires ces dernières années? Je pense que le plus gros, c'est de beaucoup travailler. Que quoi qu'il se passe au niveau des résultats, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, il faut toujours les interpréter d'une manière qui fait grandir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai appris de tous les tournois, ceux que j'ai gagnés, ceux où j'ai pas passé des cuts. J'ai gagné des gros tournois amateurs à partir de 14-15 ans. Tu peux en Et puis citer après, ceux qui quelques-uns? m'ont vraiment pro Tu peux citer quelques tournois, des grands tournois? J'ai gagné les internationaux d'Espagne Stroke Play en 2016, le Saint-Andrews Links Trophy, je crois, avec le record du parcours et le record du tournoi en 2016 aussi. Et puis après, c'est les tournois qui m'ont vraiment permis d'atteindre déjà le top 10 mondial. C'était l'année dernière. Ça a été vraiment les internationaux du Portugal, internationaux d'Italie. De finir deuxième au Jabra. Et ça a vraiment, Ouais, ça m'a ça marque des vraiment points là. propulsé vers Ouais, le ça marque des points. À partir du moment où on gagne les internationaux et puis tu gagnes une qualification qui te permet de jouer l'Evian Championship derrière, on parlera de l'Evian Championship. Là, c'est sur le ranking mondial, ça, on marque des points de folie. Et finalement, c'est beaucoup d'années de travail. Et après, c'est une concrétisation qui arrive assez rapidement à partir du moment où les résultats suivent. L'Evian Championship, avant de parler avec Alain Alberti, ton coach, l'Evian Championship. Tu peux nous parler, tu peux revenir un petit peu en tant qu'amateur, tu gagnes le Jabra, donc c'est pas une invitation, hein, tu joues pas l'Evian Championship avec une invitation, Deuxième. tu gagnes les qualifications qui sont très difficiles. Le Jabra, il y a des joueuses incroyables qui jouent cette épreuve de qualification, et là, tu te qualifies pour un des majeurs les plus importants de la planète, l'Evian Championship. Ça fait quoi comme sensation quand on est française de gagner la qualif et ensuite de pouvoir représenter la France quand on va jouer l'Evian Championship? Je pense à toi de gagner la qualif. Hein. Je finis deuxième, mais il prenait les deux ou trois premières. C'est ça, ouais. Mais quand j'ai réalisé que bah, j'étais qualifiée pour jouer Evian, c'était juste énorme parce que depuis que je suis toute petite, je fais des compétitions Evian. J'ai fait les Haribo Kids Cup, j'ai fait C'est ça. une compétition qu'on joue le en 2014. C'était une, je crois que c'est les Je ne sais plus comment ça s'appelle la compétition, mais il y a une compétition qu'on joue à Evian aussi en 2014. Et après d'avoir joué le Jabra et d'avoir gagné ma place pour jouer à Evian, c'était juste énorme. Parce que c'est pas comme si j'avais eu une invitation et on me disait, bah tiens, t'as fait une bonne saison, tu peux jouer. Là, je suis allée vraiment gagner ma place pour pouvoir jouer. C'est ça, un peu comme finalement Victor Dubuisson l'avait fait à l'Open de France quand il était jeune. Il avait gagné en fait l'épreuve de qualification à l'âge de, je crois qu'il avait 15 ou 16 ans. Il était devenu à l'époque le plus jeune joueur en fait de l'histoire à s'être qualifié pour un tournoi du circuit européen. Et on ne lui a pas donné l'invite. Il est parti au qualif, il s'est qualifié, il a montré qu'il méritait sa place. Et ensuite, ben voilà, on connaît le parcours que Victor Dubuisson a eu. Donc voilà, on te souhaite le minimum pour toi, évidemment, Pauline. Alors évidemment, il faut poser la question, et c'est là où c'est super intéressant aussi la discussion que j'ai. Alors c'était plutôt en off avec Alain et David, mais il parlait de ton éthique de travail. En fait, le fait que tu étais une acharnée de travail, mais que tu adorais ça, en fait, que tu adorais travailler parce que c'était ta passion et que c'était hyper important pour toi de continuer à t'améliorer. Et c'est là où David m'a envoyé une vidéo de toi de putting, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même, là on t'entend un petit peu parler avec David, c'est que même à distance pendant ce confinement,
Toi, tu as rendu les choses très très claires et nettes à tes coachs. Tu leur dis, moi, pour moi, il n'y a pas de confinement, les gars. Moi, je continue à taffer, à travailler tous les jours. Et là, avec David, par exemple, il y a quelques jours, vous avez effectué une séance de putting où tu es chez toi. Tu as d'ailleurs un magnifique putting là au sol, beaucoup plus grand que le mien. Et tu t'entraînes au putting. Raconte-nous un petit peu comment toi, tu vis ce confinement. Je dirais que je le vis comme une période hivernale parce que forcément dans l'année on a une coupure où cette coupure elle est faite ben pour s'entraîner, faire du physique et remettre les choses à plat au niveau du swing, au niveau du chipping, petit swing, donc dans tous les compartiments. Et bon là c'est vrai que la saison a été coupée courte, donc que deux tournois et puis on est tout puis on peut plus s'entraîner d'un coup, plus accès aux entraînements, donc ben, il faut vite s'adapter parce que la saison va bien finir par reprendre. Donc, je me suis dit, c'est le moment de travailler, de continuer de travailler en tout cas ce qu'on a mis en place avec Alain depuis le début. Il est venu me voir d'ailleurs aux États-Unis, donc on a commencé à travailler sur quelque chose. Avec David, c'est pareil, on a commencé à faire des cours en live où on a vraiment bien travaillé. Et donc, c'est vrai que ce confinement, ça me permet de faire beaucoup de rep et d'ancrer le travail et puis de faire beaucoup de sport. Parce que j'adore faire du sport, donc j'en fais à fond. J'adore comment tu as remplacé le mot confinement par période hivernale. En fait, en disant que ben moi en fait le confinement je le vis comme Un si c'était un hiver. hiver et pendant l'hiver voilà ce que je fais. Moi je m'arrête pas de travailler, je travaille différemment parce qu'on n'a pas l'occasion de faire tout pendant la période hivernale avec les conditions de parcours etc. Mais voilà moi comment je le vis. Il y a d'autres choses que je peux faire, la préparation physique, le putting indoor. J'ai vu des vidéos de toi dans ton jardin en train d'effectuer des swings, la communication avec les coachs. Enfin bref, voilà, c'est en quelque sorte tu actives ta créativité pour te permettre de progresser dans les domaines pendant l'hiver où tu peux passer un peu plus de temps dans un domaine que sur une saison par exemple où là la préparation physique elle va être un petit peu moins intense que l'hiver parce que pendant l'hiver tu peux mettre plus de charges lourdes parce que tu joues moins en tournoi, etc. J'imagine. Du coup, Pauline, si tu le permets, je vais passer la parole à Alain avec qui j'ai eu l'occasion de discuter tout à l'heure, qui partage vraiment des très très bons souvenirs de quand il t'a rencontré, quand il avait 12-13 ans. Et surtout, en fait, je voulais poser la question, Alain, si tu pouvais décrire une qualité qui aujourd'hui, en fait, pourrait expliquer pourquoi et comment Pauline est arrivée au sommet de l'élite mondiale amateur, ça serait quoi? Eh ben, je laisse directement Alain répondre et je vais te faire cogiter Pauline pendant ce moment-là. Pauline, depuis qu'elle est très très jeune. Alors, Alain, quand est-ce que tu as rencontré, à quel âge est-ce que tu as rencontré Pauline? Ou à quel âge avait-elle quand tu l'as rencontrée plutôt? Alors, j'ai rencontré Pauline, elle devait avoir entre 11 et 12 ans, et je l'ai rencontrée sur un practice alors que j'étais en train plutôt de donner des leçons à la maman, qui était une très bonne joueuse, Marielle, et au frère, Hugo, qui était aussi un très bon joueur proche de scratch. Et la petite Pauline, à 11-12 ans, était déjà handicapée à un chiffre, mais s'amusait à côté de nous parce qu'il n'y avait pas de question de parler technique à ce moment-là. Et petit à petit, j'ai commencé à la regarder 10 minutes en fin de séance, puis les 10 minutes sont devenues des demi-heures, puis des heures. Et on a vraiment commencé à faire un travail intensif, je pense, elle devait avoir 13 ans à peu près. 13 ans, c'est dingue, moi, tu disais. Donc, la maman qui était 3 d'handicap, tu m'as dit juste avant de démarrer cette vidéo, et le frère qui avait 0. Donc, du coup, elle évolue dans une famille de golfeurs de très bon niveau qui, du coup, la pousse à devenir une joueuse qu'elle est aujourd'hui. Mais toi, en tant que swing coach, Alain, quelles sont vraiment les choses que tu as mis en place avec elle pour l'amener au sommet mondial aujourd'hui où elle est numéro 1 maintenant au monde amateur? On a quasiment beaucoup travaillé. Elle avait déjà un swing quand même assez juste. Elle avait été formée correctement. Elle jouait bien. Mais sans trop se préoccuper de comment était le club, la technique. Et on a vraiment fait un gros, gros travail technique. Alors, on a quasiment tout travaillé. Je me rappelle, la première leçon et le premier conseil, ça devait être de placer le takeaway comme il fallait. Tu vois, ça, c'était une des premières leçons. Le placer le club, le plan du club, l'action du corps. Et vraiment, elle a très vite bien répondu à tout ça. Elle a non seulement bien corrigé, elle a réussi à l'amener sur le parcours. Et là, maintenant, elle devient vraiment, sinon une addict à travailler la technique. Pour elle, c'est un moteur. C'est-à-dire que actuellement, on est à un point, le swing d'aujourd'hui, on va dire, hein, si tu as les vidéos, où son swing fait quasiment l'unanimité de tous les coachs qui l'ont vu. Par exemple, elle a fait une session avec Martin Hall à Palm Beach, là où Ouais. on est de France, et Martine Hall est venue me voir, elle me dit, Alain,
surtout qu'elle change rien, tout va bien. Mais même ça, Pauline ne veut pas l'entendre. Il faut tout le temps qu'elle ait quelque chose à travailler, à améliorer, même des détails. Là, par exemple, pendant le confinement, elle m'envoie les swings à peu près depuis son jardin tous les 2 jours. Et on travaille sur des petits détails. Ouais, donc, elle est vraiment, vraiment très fan de travailler la technique. C'est son moteur. Ça, c'est génial parce que tu vois, c'est signe de grand champion finalement. Il faut toujours avoir quelque chose pour nous permettre de s'améliorer en fait. C'est ce que tu es en train de nous communiquer. C'est que Pauline a besoin constamment de savoir qu'elle est chaque jour en train de progresser, en train d'avancer et que en fait, finalement, pour les grands champions, quand ils n'avancent pas, ils ont l'impression de reculer. Donc, ils ont toujours besoin de quelque chose sur lequel ils peuvent travailler. Et puis, effectivement, comme tu le dis, moi je l'ai vu sur la vidéo avec Martine aussi aux États-Unis sur Golf Channel. Et le swing est tellement pur, c'est incroyable la façon elle swing le club. Et tu sais, ce qui est aussi intéressant, Alain, c'est que de voir aujourd'hui les grands champions, ceux qui vraiment vont marquer l'histoire du golf, on voit que c'est ceux qui en fait ont un coach qu'ils ont eu à long terme. On pense à Rory McIlroy, qui a son coach qu'il a depuis 9, 10, 11 ans. On pense à Jordan Spieth, qui travaille avec son coach depuis qu'il a 11, 12 ans. Et aujourd'hui, Pauline, qui est numéro un mondial amateur, que tu as rencontré toi quand elle avait à l'âge de 11, 12 ans. Et aujourd'hui, pour toi, ça doit être une énorme fierté, non, de l'avoir au sommet mondial amateur et bientôt passé professionnel. Ça te procure, toi, comme sensation de l'avoir, quand tu l'as rencontré à un chiffre handicap plus jeune et de l'avoir aujourd'hui au sommet mondial. Alors c'est oui, franchement, c'est une grande fierté, c'est une belle réussite et vraiment Pauline est extraordinaire. Alors ce qui est marrant, c'est que quand elle avait 15 ans, elle devait déjà faire partie, je crois, de l'équipe de France Girls à ce moment-là. Et lors d'un débriefing, je me rappellerai très bien de fin de saison, elle avait dit, je veux finir numéro 1 mondial amateur. Déjà, à 15 Ah ouais, ans. à 15 ans. C'était Un peu comme Jordan Spieth. une Jordan Spieth, quand il a dit à son coach, je veux gagner le Masters, il avait 12 ans. Donc elle avait ça, quoi. Elle avait Ouais. ça, c'est son moteur, c'est vraiment, voilà, c'est son moteur. Elle pense qu'à ça. Ça, c'est dingue. Ouais. En fait, ce que je disais, c'est que Jordan Spieth, il avait indiqué à son coach, quand il avait 12 ans, je veux gagner le Masters. Il avait 12 ans. Et là, on voit Pauline à 15 ans qui déjà avait cette intention. Qui est devenue aujourd'hui une réalité. Et j'allais justement te poser la dernière question avant de récupérer Pauline en live. C'était justement, quelle pour toi est la qualité, si tu devais citer, alors évidemment il y en a plusieurs, on pourra en parler pendant un moment, mais si tu devais citer une qualité qui permet aujourd'hui de Pauline de connaître le succès qu'elle a aujourd'hui, ça serait quoi pour toi? Elle est déterminée, motivée, habitée par son projet d'être la meilleure joueuse de golf au monde. Ah, donc c'est la meilleure joueuse golfeur au monde, pas la meilleure golfeur qu'elle puisse elle devenir, mais la meilleure golfeuse au monde, c'est clair. Elle a que ça en tête. Et Alors elle tu le sais, dira Alain, c'est marrant parce que j'ai fait un live la semaine dernière en parlant des numéros mondiaux, et je pense sincèrement que pour devenir numéro un mondial, on l'est déjà dans sa tête avant de l'être officiellement. C'est exactement. Et elle se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire que là, elle m'envoie les plannings par tableau pendant le confinement. Il n'y a pas de confinement pour elle, hein. C'est physique, chip dans un saut, swing de golf, putting en live avec David. C'est le physique à donf, enfin à fond. C'est les cours pour passer quand même les examens, parce que pour elle, c'est très important de faire de la scolarité et d'avoir de bonnes notes à aller en fac. C'est un planning. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de golfeurs qui soient capables de tenir ça dans la durée pendant ce confinement, pendant plusieurs semaines. Alors maintenant qu'elle est devenue, et juste dernière question avant de reprendre Pauline, mais ça m'intéresse, je suis vraiment curieux parce que tu m'as dit qu'à 15 ans, elle t'a dit qu'elle voulait devenir numéro un mondial amateur. Maintenant qu'elle est devenue numéro un mondial amateur, est-ce qu'il y a des nouveaux objectifs qu'elle a partagés avec toi, peut-être sur le plan un peu plus lointain ou pas? Alors, le premier objectif à court terme, c'est d'aller de suite sur le LPGA Tour. Mais clairement, c'est pas d'aller sur l'LPGA Tour. C'est-à-dire que sur l'LPGA Tour, elle va prendre ses marques comme tout le monde, hein. Même le numéro 1 mondial amateur où Céline Boutier n'a pas de suite gagné sur le LPGA Tour, même si ça arrive vite et n'est pas de numéro 1 mondial de suite. Mais on n'en a pas parlé, elle l'a pas fixé, mais il y a avec aucun doute dans sa tête qu'elle veut être numéro 1 mondial professionnel. Yes, qu'on ait la France numéro un mondial en haut du podium. C'est ce qu'on veut tous, hein. Il n'y a pas de doute. Alain, merci beaucoup pour ce partage de connaissances et d'informations que tu as pu faire avec nous aujourd'hui durant ce live, parce que je trouve que c'est hyper intéressant quand on rentre à l'intérieur de l'équipe d'une joueuse de justement comprendre
Qu'est-ce qui lui a permis d'arriver au sommet? Et là, pour le coup, comme le dit si bien Pauline, j'ai pas, I don't have one coach, j'ai one team, j'ai pas un coach, j'ai une équipe. Et de te voir, toi qui es à l'origine de tout ça, qui était là dans les premiers, dans les débuts, et de voir son évolution toutes ces années, j'imagine que pour toi, c'est une énorme fierté et je sais que c'est que le début. Moi, ça me passionne de travailler en équipe. Et pour être très clair, je l'ai dit à maintes occasions, je pense que si autour d'elle j'avais été seul, sans Patricia, Amélie, David, le prépa physique, je pense qu'on serait pas, elle serait pas encore numéro un mondial. Je pense que tout le team a aidé à aller plus vite, sans aucun doute. Super Alain, merci beaucoup. Reste avec moi Alain, je vais arrêter l'enregistrement. Ça y est, on est de retour en live avec Pauline. Alors Pauline, tu as eu l'occasion de regarder cette vidéo en même temps que les spectateurs. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ton coach qui te connaît depuis le début et avec qui tu as fait ce voyage absolument incroyable de tes tout débuts et d'aller de grimper l'échelle du ranking? C'est trop cool, c'est parce que c'est on en parle pas beaucoup, c'est pas le genre de choses qu'on va se dire souvent ou mais juste dans ce genre d'occasion on va vraiment lui poser la question parce que quand on travaille on revient pas trop dessus donc je trouve ça vraiment marrant d'avoir son feedback comme ça. Voilà, donc tu vois, en plus Alain, c'est pas une personne qui va forcément aller exprimer ses sentiments comme ça facilement. Donc pour le coup, là, voilà, on a creusé un peu pour qu'Alain puisse partager cette fierté qu'il a de te voir et il me l'a même partagé en off quand on a raccroché le live et on voit un grand coach fier. Et tu sais ce que j'ai trouvé aussi, c'est l'humilité d'Alain de dire, tu sais, je le dis parce que c'est la dernière partie de la vidéo que je pense que tu as pas vue, mais il dit. Je pense que si j'avais été tout seul, peut-être qu'on ne serait pas arrivé aussi rapidement à l'élite mondiale. Et il le dit, voilà, j'ai toujours été transparent là-dessus. Le fait qu'on soit plusieurs à chacun apporter son expertise, et c'est là où je vais creuser un petit peu maintenant un peu plus sur toute l'équipe, mais je trouve que l'humilité d'un coach de dire, ben voilà, le fait qu'on soit tous ensemble, c'est ça qui a permis à Pauline de grimper en fait et d'être la joueuse qu'elle est aujourd'hui, quoi. C'est super. Ça va? Bon? Donc, parlons un tout petit peu maintenant de tes différents coachs. Tu as David Ames, tu as Patricia Meunier-Lebouc qui pour moi est juste une personne incroyable parce que elle apporte de l'expérience, je trouve, au sein de ton équipe, qui est absolument remarquable parce que c'est une joueuse qui a connu le succès ou en quelque sorte une inspiration pour toi. Elle a gagné en tant que professionnelle. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais que tu me dises quelques mots sur Patricia, à quel point elle t'accompagne à travers toute son expérience en tant que joueuse et comment elle te donne tout ça et comment toi, ça te permet de justement devenir une meilleure joueuse. Elle m'apporte elle m'apporte vraiment beaucoup son expérience et tous ses conseils, surtout quand on est sur le parcours ou quand on parle du mental, parce qu'elle a une approche du jeu, une approche du golf qui est vraiment particulière et que j'adore parce que tout est toujours positif, rien n'est perdu et cette motivation qu'on peut parfaitement entendre quand elle parle de ça, c'est vraiment très inspirant et moi j'adore. Donc c'est pour ça que travailler avec Patricia, c'est je vais le dire en tant que chum, mais c'est le kiff. Donc voilà. Mais elle est aussi beaucoup les yeux d'Alain parce qu'elle m'a suivi sur pas mal de tournois l'année dernière, puisque comme c'est la cause de l'équipe de France, elle a la possibilité de venir nous voir un petit peu plus souvent. Et c'est vrai que le travail que j'ai mis en place au niveau du mental avec Amélie Cazé et Patricia a vraiment été très très efficace. Patricia m'a beaucoup apporté son aide sur justement son expérience passée, sur elle, comment elle avait mis en place ce genre de processus. Alors en termes de process, quand on va entrer dans le concret de ce que Patricia a communiqué avec toi, donc à travers encore une fois toute son expérience en tant que joueuse, mais il y a une chose qu'elle t'a dit finalement il y a quelques temps quand vous avez travaillé ensemble, c'est surtout le fait de ne pas avoir de regrets, en fait de donner le meilleur de soi-même chaque journée, que chaque jour compte, qu'il fallait à l'entraînement, que chaque jour tu progresses et que tu passes à une étape.
Moi, j'adore cette mentalité-là parce que c'est quelque chose que je partage aussi, le fait qu'il ne faut pas avoir de regrets. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de cette approche, de cette mentalité qu'elle a pu incorporer sur toi? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que cette mentalité, tu l'avais déjà avant, ou est-ce que en la rencontrant, est-ce que ça a juste fait évoluer en fait ta façon de travailler, ton éthique de travail, cette façon de voir les choses? Je pense que j'ai mis les mots sur cette notion de pas de regret quand j'ai commencé à travailler avec Patricia, avec Amélie. Donc je l'avais déjà un petit peu, mais je savais pas trop comment en parler. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble, on a vraiment mis le doigt dessus et on s'est vraiment dit, on a fait un peu d'imagerie mentale. Et quand on m'a parlé de ça, ça m'a vraiment inspirée et ça m'inspire tous les jours parce que finalement, à quoi bon s'entraîner si c'est pas pour être à 100%? Et c'est pareil sur le parcours. Sur le parcours, ça peut se passer bien ou ça peut se passer un peu moins bien parce que c'est le golf. Mais si on est à 100% et que même si des fois on est à 70% de ses capacités golfiques ou physiques, clin d'œil à Patricia, et qu'on est à 100% de ces qualités-là, il y a une grosse satisfaction à la fin de la journée, bon score ou mauvais score. Ouais, ça j'adore aussi parce que tu sais, c'est être à 100% tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on performe à 100%. Ça veut dire que dans les bons jours comme les mauvais, il faut savoir identifier que dans les mauvaises journées, on n'est pas forcément au top de sa forme. Ça peut être physiquement, mentalement, techniquement aussi. Mais c'est de dire, quoi qu'il arrive, je vais donner le 100% de ce que j'ai le jour J, en fait. C'est surtout ça que ça veut dire. Et trop souvent, on peut rapidement abandonner parce qu'on n'est pas au top de sa forme et on dit, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, aujourd'hui. Mais en fait, l'idée, c'est de tirer le maximum de ce que tu as le jour où tu es en train à la fois de t'entraîner et de jouer. C'est ça. Complètement. C'est ça, c'est exactement ça. En plus, ce qui est rigolo, c'est que je sais très bien faire ça avec le swing, c'est-à-dire que je sais m'adapter à des coups qui sortent pas très bien parce que je connais très très bien mon swing, donc je sais être à 70% à 100% des 70% au niveau de mon swing. Mais ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand je suis pas à 100% physiquement parce que tout ce que je fais, je suis toujours à 110% physiquement. Et donc sur mon dernier tournoi, j'ai été très très malade, enfin le plus gros rhume imaginable. Ouais, Et donc ah ouais, un truc de fou. Donc je dormais pas, je respirais mal. Enfin c'était très compliqué. Et j'ai décidé de quand même jouer le tournoi. Donc même si le premier trou j'étais un peu bon, est-ce que je joue ou pas? Et puis finalement je me suis lancée. Et donc quand je suis très mal, ben, je suis pas à 100% de mes qualités physiques. Mais je trouve que le plus dur et le plus fin à identifier, c'est quand on est bien et on se sent bien, mais que ben, la veille ou 2 jours avant, et ben, on a dormi 2 heures et j'étais pas très bien en termes de symptômes, etc. Où là, c'est plus difficile parce que moi, le dernier jour, je me suis dit, bon, je respire, je parle, je suis à 100%, il n'y a pas de souci. Et en fait, ben, c'est là où je me suis un peu leurrée et où bah c'est ce que j'ai notamment appris sur ce tournoi-là, mais d'avoir d'identifier que physiquement on peut sentir qu'on est à 100%, mais en allant un peu plus précis, on s'aperçoit que bah non, en fait, je suis encore qu'à 80%. Bah, ça peut vraiment aider à gérer d'une meilleure façon les émotions sur le parcours ou même les mauvais coups. Parlons un petit peu de la visualisation. Tu m'as parlé de l'aspect physique, comment tirer en maximum. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que, tu vois, qu'on a eu la conversation avec Alain, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'il m'a décrit ton objectif quand tu avais 15 ans, où tu lui as dit, voilà, je veux devenir numéro un mondial. Et moi, je suis un croyant à 4000% avant d'exécuter quelque chose, il faut d'abord le voir, le visualiser, le ressentir. Et comme je disais à Alain tout à l'heure, avant de devenir numéro un mondial, on est déjà numéro un mondial dans sa tête, on l'a vécu, on l'a senti. Donc toi, à ce moment-là, à 15 ans, avec la maturité que tu avais et avec finalement le peu d'expérience que tu avais à cet âge-là, le fait d'avoir visualisé ça, comment tu le ressentais, comment tu le vivais, comment dans ta tête tu te disais, ok, c'est ça, et puis c'est tout, quoi, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Je dirais que ça m'a aidé tout de suite à, bien sûr, quand je vais m'entraîner, c'est pourquoi je vais m'entraîner, bah parce que je veux être la meilleure joueuse mondiale aujourd'hui amateur et plus tard professionnelle. Donc c'est vraiment un leitmotiv et c'est pour ça que je joue entre guillemets en plus d'aimer le golf. D'avoir cet objectif-là en particulier, ça donne toujours un peu plus de piment et puis après je pense que ça m'a aidé aussi à être patiente, à croire au processus, parce que le travail paye pas toujours, ou en tout cas pas
dans l'instant même. Donc oui, ça m'a aidé vraiment à, même dans les mauvais résultats, à me dire, bah, c'est pas grave, j'apprends, j'apprends, parce que je sais que j'utiliserai cette expérience plus tard et que j'en aurai forcément l'utilité. Ouais, c'est en fait c'est ce travail vers un projet lointain plutôt que quand tu es dans une mauvaise journée, tu apprends de cette expérience pour t'amener à l'objectif final qui était de devenir numéro un mondial. Et ce que tu dis, c'est une mentalité assez américaine qu'aujourd'hui on le voit de plus en plus en France, mais le fait de dire ben, il y a l'objectif, le résultat, mais il y a le why, il y a the purpose, tu l'as dit en anglais, le pourquoi. Pourquoi on va s'entraîner? Et toujours avoir en fait dans le coin de la tête le pourquoi, parce que c'est le pourquoi finalement qui va te pousser au-delà de tes limites et qui va te permettre chaque jour de continuer à te réveiller, à être motivé. Parce que sans le pourquoi, on va s'entraîner sans raison particulière et ça peut rapidement devenir démotivant. Donc le fait que tu aies eu cet objectif-là assez jeune, je suis sûr que c'est ça qui t'a permis en fait d'être la bosseuse que tu es, parce que tu bosses vers un objectif qui n'est pas atteint. Et maintenant qu'il est atteint, la question que j'avais posée à Alain, c'était bon, est-ce que maintenant l'objectif professionnel? Et il m'a dit, bah, tu sais quoi, on n'en a pas parlé avec Pauline, mais en la connaissant, je sais qu'elle ne va pas sur les LPGA juste pour aller jouer sur les tournois, quoi. Elle y va pour être la numéro 1. Donc tu abordes ce passage dans les prochaines années, ce n'est pas pour tout de suite, mais tu abordes les choses dans la même façon, quoi qu'il en soit. Ah, complètement. Le processus va forcément évoluer parce qu'avec le temps, tout évolue. Mais en termes d'approche, oui, c'est sûr que c'est pas dans ma personnalité de me dire oh, bah, je vais juste passer sur le LPGA et puis je vais juste jouer mes tournois pour. Enfin, juste pour m'amuser, quoi. J'ai dit, Ouais. il faut qu'il se cheminement, Ce c'est truc. pourquoi je travaille. Et donc, oui, c'est sûr que ça va. Je vais pas sur le LPG pour enfiler des perles. Alors, une petite question là, on va prendre quelques questions de la part des internautes qui sont là et on les remercie d'être présents. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'encouragements, surtout Pauline. Toi, tu peux pas lire les commentaires, donc je vais les lire pour toi. Mais il y a beaucoup de personnes qui t'encouragent, qui te félicitent, qui te disent bravo. J'ai une personne qui vient de m'envoyer un message, tu vois, sur WhatsApp pendant la vidéo là, en train de me dire, putain, mais elle a tout le temps le smile, c'est génial de voir une fille qui est aussi déterminée et qui est bosseuse, mais qui en même temps te bat avec le smile. Donc, tu vois, ça c'est assez cool. Et du coup, une question de la part de Axel Basbayou qui dit, c'est quoi la vie en université? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aspect performance, golf, tes objectifs professionnels, amateurs, etc. Mais il faut pas oublier, et Alain me l'a précisé aussi tout à l'heure, que l'importance de la scolarité est primordiale pour toi. C'est quelque chose qui est déterminant. Donc, tu mets autant d'importance dans la scolarité que ton golf. Parle-nous un petit peu de comment tu gères justement, comment tu équilibres tout ça, ta vie en université. Déjà, j'ai mis un peu, j'ai pas mis beaucoup de temps à m'adapter à la vie universitaire parce que ça a toujours été assez proche de ce que je faisais à la maison. Mais là, en fait, on fait le lundi, mercredi, vendredi, on joue sur le parcours et moi, en tout cas, j'avais cours le lundi soir et mercredi soir et on avait entraînement le mardi après-midi et jeudi après-midi avec les cours le matin et prépa physique le mardi et jeudi matin. À 6h15, donc un réveil à 5h45. Je dois avouer qu'il pique un petit peu, J'ai toujours du mais mal. sinon, c'est. Je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie et j'ai fait ça, c'est juste pas pour moi 5h45. Juste, même mon réveil m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à 5h45? Donc, ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Clairement, voilà. Et donc, on s'arrête jamais. C'est toujours, on est toujours à fond. En tout cas, moi, je suis toujours à fond parce que même quand j'ai du temps, je trouve toujours un moment le lundi, mercredi et vendredi pour faire du sport. Comme ça, j'ai du sport tous les jours. Je continue le week-end de m'entraîner. Et dans tout ça, eh ben, il faut caler les devoirs parce qu'on est des étudiants normaux, entre guillemets, même si on adapte nos horaires pour que ça fitte avec le golf et le sport. Il faut toujours qu'on aille en cours normalement et qu'on réponde justement aux examens et aux devoirs qu'on a à faire comme des étudiants normaux. Donc, il faut caler tout ça. Donc, j'ai toujours beaucoup travaillé scolairement et golfiquement. Et donc, la fac, c'est ça. Donc, ça a été tout de suite, j'ai tout de suite adoré être dans ce genre de structure. Alors beaucoup de golfeurs amateurs, quand ils partent aux US, ils parlent justement de ce temps d'apprentissage ou d'adaptation plutôt, pardon, où ils disent ça, voilà, ça prend un certain temps de s'adapter. Le fait que tu dises, voilà, je me suis adapté assez rapidement. Et il faut dire aussi, Pauline, si tu peux préciser qu'à l'université, tout a été mis en place
pour justement aider les athlètes aussi, parce que vous n'avez pas la même vie que les étudiants, même si vous êtes considéré comme un étudiant normal, vous n'avez pas du tout la même vie qu'un étudiant normal. Vous avez une vie assez différente. Comment est-ce que justement les athlètes sont accompagnés en fait par l'université, par les coachs, pour vérifier qu'il y a cette philosophie de succès, que tout doit être mis de votre côté pour réussir? Déjà, le sport est dans la culture américaine. Donc, les profs qui vont toujours nous demander comment se passent nos tournois. Ils vont toujours être indulgents si on a des tournois et quand on loupe les cours. Et c'est vrai que tout est fait pour le sportif à la fac. C'est-à-dire qu'on a 3 salles de sport, on en a une dans notre bâtiment, on en a une à 200 mètres, où c'est celle de la fac, et on en a une troisième, où c'est celle des baseballeurs qu'on utilise avec nos coachs sportifs. On a Il n'y a une zone vraiment pas d'entraînement d'excuses de pour 10 aller à la athlètes salle. là. Là, tu n'as pas d'excuses parce que tu ne vas pas aller à Non. la salle. Là, tu as 3 salles de sport à Non. côté. C'est ça. Tu es voiture ou pas voiture, tu vas à la salle de sport. Et après, à moins de 10 minutes, on a la zone d'entraînement, 17 hectares avec 4 greens où on peut taper de n'importe où. Il y a du rough, des bosses, enfin, le paradis du golfeur. Et on a 4 parcours différents à moins de 30 minutes de la fac. Donc ça nous permet de tourner en permanence, d'avoir des designs différents. Donc tout est vraiment fait pour le sportif et c'est ça, je pense, la plus grosse différence peut-être avec la France. C'est vraiment top les Américains. Ils ont même, tu as même ramené Mickey et Minnie Mouse des États-Unis. Donc tu vois, il fallait que je le cale celui-là. Il est formidable ton t-shirt. Bruno Arnaud qui pose une question cette fois-ci par rapport au Géo que je trouve intéressante, qui dit bravo pour ce qui est à venir. Est-ce que Pauline se projette dans les Géo 2024 en France où il peut y avoir une équipe de France féminine incroyable? Ah oui, complètement, ça fait partie, c'est dans un coin de ma tête. Bon, après, chaque chose en son temps, donc il faut passer d'abord passer professionnel et puis avoir un certain cursus. Mais ah oui, c'est dans un coin de ma tête, et puis ça me fait rêver, évidemment. Les JO, c'est vraiment le Graal, donc ah oui, j'y pense. J'ai eu Nicolas Colsart hier en Facebook Live, avec qui on a eu l'échange pareil pendant 1 heure comme ça, et qui me parlait des Géos aussi en représentant la Belgique. Il nous a raconté une super histoire en disant qu'il y avait son arrière-grand-père qui avait joué les Géos, donc c'était quelque chose qui était très très important pour lui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire chez les golfeurs maintenant professionnels et les amateurs comme toi qui maintenant connaissent cette culture Jeux Olympiques au golf, parce que auparavant le golf et les Jeux Olympiques, on ne pouvait pas les dire dans la même phrase. Mais maintenant, dans les années à venir, on va avoir de plus en plus justement d'amateurs dans ta situation qui, en plus des majeurs, les Jeux Olympiques vont devenir, je pense, un incontournable au fur et à mesure où on évolue dans le temps. Je pense, je le vois comme ça et je sens que les golfeurs le décrivent comme ça aussi, n'est-ce pas? Complètement. Il y a Martial Clément, parce que du coup, on a l'impression que t'as 19 ans, il me semble, Pauline, hein? 18 ou 19 ans? 19? C'est ça. 19 ans. 19 et bientôt 20. 19, 19 et bientôt 10. 20. On parle de toi déjà comme si tu avais 10-15 ans de carrière derrière toi. Tu as gagné multiples fois, numéro mondial. Tu as tes études incroyables que tu fais. Juste précise pour les personnes qui nous regardent, parce que tu fais des études qui sont assez sérieuses et que je trouve géniales. Décris-nous en fait ton majeur et mineur à l'université, s'il te plaît. Donc, mon majeur, c'est la psychologie. Je vais d'ailleurs commencer vraiment les cours, les vrais cours, là au prochain semestre, parce qu'avant on a des cours qui sont demandés par la fac, donc on commence pas trop notre majeur la première année. Et puis en termes de mineur, je suis en train de travailler sur un mineur en justice criminelle. Donc Ouais, Ah, mais c'est top, moi Ouais. Ah, mais j'adore. C'est pour ça que j'ai pris ça. Fantastique. Et donc, du coup, il y a une personne qui t'écoute et qui se dit, waouh, mais est-ce qu'elle a le temps pour faire autre chose? Et donc, pose la question, Martial Clément, qui dit, et pour toi, c'est quoi les loisirs finalement? Parce qu'avec tout ce que tu viens de nous décrire là, qu'est-ce que tu fais en dehors de tout ça, Pauline? Quelles sont les choses qui te permettent de peut-être te détendre un petit peu en dehors du golf et des études? J'ai toujours été multisport depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, c'est la boxe. Donc ça fait 5 ans que je fais de la boxe. Et puis après, bah, j'aime beaucoup. La boxe m'aide beaucoup à extérioriser et à relâcher toute la pression qu'on emmagasine sur le parcours.
Je vais montrer en même temps une vidéo, je suis désolé, je suis en train de la sélectionner, mais tac, 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 voilà, juste pour montrer les personnes, pour qu'ils voient en fait ta séance, une séance de sport avec Pauline, 2 secondes, hop, voilà, parce que je ne l'avais pas mis avant, donc du coup là on est juste parfait. Hop, 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 pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ok, normalement on doit être bon. Donc là, Pauline, là, tu es à la salle, tu es pas à la salle de sport, tu es en fait dans ton jardin, à l'extérieur de chez toi, là où tu es dans le sud de la France, il me semble. Et là, en fait, je suis en train de montrer la vidéo que j'ai récupérée sur ton Instagram. Tu vois, je vais pirater un peu ton compte de temps en temps pour récupérer des vidéos. Et j'ai montré la vidéo, tu es en train de faire des squats avec les haltères, tu t'entraînes dans le jardin. Donc là, pour le coup, c'est une séance plus spécifique golf, mais le sport, comme tu dis, ça fait partie de ton quotidien, en fait. Que ce soit pour le golf Complètement. ou en dehors, tu adores ça, en fait. Ah oui, c'est. J'en ai besoin parce que ça fait partie de mon équilibre. Et comme je dis, depuis que je suis toute petite, je fais beaucoup de sports de combat. Et donc, garder la boxe en même temps que je fais du golf, c'était vraiment important. Cool. Alors, parlons un petit peu maintenant. On va, en fait, tu as vu que petit à petit, je t'amène à travers le tour de ton équipe. On a parlé un petit peu de Patricia, tu as Amélie, avec qui tu travailles sur le plan mental. Alain, avec qui est ton swing coach depuis que tu es toute petite. Mais il y a également, alors là, on a montré la vidéo prépa physique. Peut-être que tu peux faire un petit coucou à ceux qui t'aident sur la prépa physique pour leur faire une petite dédicace. Frédéric Lambertin qui m'aide énormément au niveau du cardio et aux États-Unis qui m'a fait les prépas physiques de musculation. Okay. Génial, génial. Parlons un petit peu de putting maintenant. Donc, tu t'es rapproché d'un coach anglo-saxon. Décision très sage. J'adore les Français et les Anglais au même niveau parce que j'ai la double nationalité franco-britannique. Donc, mon père sera content que je le précise. Mais du coup, tu travailles avec ton coach anglais qui s'appelle David Ames, qui est spécialisé finalement dans le putting, c'est ça? Ce qui est intéressant, Pauline, c'est qu'en tant qu'amateur, tu es amateur, mais tu t'es rapproché vraiment de spécialistes dans chacun de leur spécialités, qui en fait t'amène au plus haut niveau à travers des coachs bien définis dans chaque compartiment. Parle-nous un petit peu de cette relation avec David, comment elle a commencé et comment elle a évolué depuis. Alors, j'ai commencé à travailler avec David il y a 2 ans. Je m'étais déplacée sur Lyon. Et puis j'ai tout de suite accroché avec la méthode de travail qu'on a mis en place. Donc on est vraiment resté en contact. J'ai envoyé des vidéos. Donc c'était en période hivernale. Donc on a commencé à travailler justement qu'en s'envoyant des vidéos. Puis après on a décidé de se revoir. Et donc on a vraiment mis en place un gros travail technique, que ça soit en tournoi ou à l'entraînement. Et donc ça a continué de la même manière quand je suis partie en fac. Ou pareil, on s'envoie des vidéos et donc on travaille comme ça, en vidéo, là, on se fait des lives des fois aussi où je mets la caméra sur le trépied et on fait un FaceTime et il va faire des analyses comme ça. Mais c'est vrai que quand on travaille ensemble, on sera en live, c'est-à-dire en live. Le bon vocabulaire, c'est quand on est ensemble et qu'il a son logiciel, Quintic. Là, on avance vraiment beaucoup parce que c'est très très précis et c'est cette précision que j'adore. Génial. Alors, sans plus tarder, je vous propose de regarder une petite vidéo qu'on a tournée avec David en début de journée. Puis en même temps, David va partager avec vous un exercice que Pauline a fait régulièrement avec David et notamment elle a effectué à l'Evian Championship. Donc, ce n'est pas un mauvais exercice à copier. De Pauline Roussin-Bouchard, David Ames qui est avec nous en direct de l'Angleterre. David, a big hello from France, Paris. Where are you right now? I'm in Chester in my dining room. So, unfortunately, yes, we're still on lockdown. Okay, cool. So, as I was saying to the French public, donc même durant le confinement, donc le lockdown qu'on appelle en anglais, David continue à travailler avec Pauline à distance. Et on vous montrera quelques vidéos où vous allez voir que Pauline, en fait, elle travaille de chez elle et puis ils se sont fait une sorte de conf call à distance. So, David, what I'm interested in knowing is that you've been working
with Pauline for about 18 months now. And so when you met Pauline, she was in about high 90s in the world rankings, and today she's world number one. Now, obviously, this is a team collective effort around Pauline. There's different coaches that take care of different parts of her games, but we're talking about putting here. What kind of progress have you seen since day one when you met Pauline till this day today? Yeah, massive progress. Progress in how she puts her process together, how she practices. We really try and, like you just said, we really try and keep on top of it by video if we can't see each other live. Donc la question que je demande à David, c'est le premier jour où il a rencontré Pauline. En fait, Pauline était entre le 90e et la 100e place mondiale. Aujourd'hui, elle est numéro 1 mondial. Évidemment, comme je le précisais, c'est un effort d'une équipe collective autour de Pauline. Mais spécifiquement, on parle de putting. Et je demandais à David quels étaient les progrès qu'il a vu évoluer de Pauline depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et donc David dit se focaliser finalement sur le process. Évidemment, une amélioration technique. Là, David va rentrer un peu plus en détail. So, on the technical aspect of things, David, what are the things that you've been working on since day one that you've really seen huge progress in today? Basically, her setup and stability in her setup. It's something we still talk about over every session. She has to feel comfortable in front of the ball, and we feel a big part of that is how she is balanced at the putt. Mechanics are a great feel. But that is a feeling, my mechanic feeling in my mental side might be different to the way Pauline takes that. So our biggest thing that we work on is her structure and her balance in front of the ball. Donc le plus gros travail qui a été effectué entre David et Pauline, c'est vraiment la façon dont elle s'organise devant la balle, la structure, la posture devant la balle pour qu'elle se sente hyper confortable et à l'aise et surtout équilibré. Donc, il disait que de la façon où lui voyait la mécanique du swing pouvait être différente de la façon où Pauline ressentait les choses. Donc, vraiment, le gros travail, c'était surtout que Pauline se sente à l'aise devant la balle, bien équilibrée, grâce à une posture, une bonne posture. So, there's also a drill, right, that you did with Pauline that she loves doing. This is a video of her actually at the Evian Championship that we're playing now live in the red shirt. She loves doing this drill. Can you just walk us through this drill that you do with Pauline? Yeah, so basically we will find a straight putt at the start of a tournament before she goes out, where she can set up a starting gate, a string line, and Pauline loves to work with the Dave Peltz tutor. So what she is looking at doing is getting her eyes perfectly over the string line and over the line on the Dave Peltz tutor. Once she knows she's in her setup in front of the ball correctly, the gates are just there to make sure the putter face is returning square at impact and she's getting a good start line. She will do that for maybe 5 minutes, 5-10 minutes. Ok, donc voici l'exercice. Alors j'essaie de vous le montrer visuellement en même temps, donc c'est pas évident de traduire tout ce que dit David. Mais en gros, ce qu'on peut tirer de cet exercice, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de feedback. Donc ça, c'est vraiment intéressant et hyper important. Dans mon coaching, je le fais quotidiennement avec les élèves de mon académie. Vérifiez que lorsque vous travaillez, vous êtes oui à l'écoute de vos sensations, mais quand vous êtes en train de travailler quelque chose de mécanique, vous êtes constamment en train de travailler avec du feedback. Quelque chose qui va vous indiquer, c'est la chose que vous êtes en train de travailler est bonne ou pas forcément bonne. So, I was saying to the audience here, David, that what I love about this drill is that it gives you tremendous feedback. And feedback, as coaches, this is something that we constantly work on with our students, making sure that they work in a way where they have proper feedback, allowing them to understand what they're doing right and what they're doing wrong, and ultimately understanding what they're feeling when they're doing something right, correct? Correct, yes. Yeah. So, like we spoke about, that drill there, or moving onto the balance section of it, Pauline will have a pro stance. I'll send you some information on that. But again, hitting putts on the pro stance, making sure she's balanced in front of the ball, you can't get better feedback than that. If she's off balance during the stroke, you fall off it. It pushes your weight, either heels or toes, whichever is the bad section that you're working on that day. So the prone stance is the tube kind of you place underneath the prone stance, right? Yeah, the tube with it. So, yeah, we will use that. That's one of our big kind of training aids that she'll use because, again,
to feel comfortable in front of the ball, Pauline has to feel balanced. So that would be, you know, again, the drill at the start of the tournament. That is instant feedback for her that her setup is great. She's got the ball starting on line. Then she can clear it up and go and hit some putts, do a few more drills that we might use for performance around the hole at different distances. But yeah, gives Perfect. Instant feedback Perfect. For her. Donc, ouais, donc encore une fois, David a mis beaucoup d'importance sur la façon de s'organiser devant la balle et le fait d'être équilibré. C'est pour elle et pour lui devenu une priorité parce que dès qu'elle est mieux équilibrée devant la balle au niveau de la posture, la balle a tendance à démarrer beaucoup plus en ligne pour Pauline. D'accord? Donc, encore une fois, travailler avec du feedback et surtout le feedback, ce que je disais à David et en tant que coach, c'est que nous, la raison pour laquelle on travaille avec du feedback et à travers des exercices Didier, c'est surtout pour créer du ressenti. Donc, quand vous faites quelque chose de bien, vous avez le feedback et ensuite, vous pouvez vous appuyer sur les ressentis pour vous permettre de réaliser l'exercice de la meilleure façon. David, thank you so much for being with us. Stick with me for a second here. But a big, massive thank you for all the work that you've done with Pauline, taking a French player to world number one, helping her in the process with the whole team around her. We're so proud to have an English coach, because I'm English, so it's so cool to have an English coach working with a French player and going to the top, going to the top of the world rankings. Fantastic. Thank you, David. Thanks, Lewis. Thank you. Alors, on reprend le direct avec Pauline. On va passer encore quelques minutes et répondre à quelques questions s'il y en a. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette vidéo, je disais, c'est vrai que j'ai précisé encore une fois à David, tu as pas vu la vidéo, Pauline, mais j'ai dit à quel point j'étais heureux de voir qu'un coach anglais pouvait collaborer avec une joueuse française. Parce que souvent, on dit que les pays, ces pays sont adversaires. Là, pour le coup, ça a fait une belle association et ça a bien collé. Pauline, pendant la vidéo, là, on était en train un petit peu de discuter ce que tu faisais sur le parcours et tous tes débuts. Et quand voilà, on a parlé encore un petit peu plus de quand, à quel âge tu as commencé le golf, etc. Et tu me parlais en fait de ton tout premier coach qui était en fait sur un practice juste à côté de chez toi. Et je sais que c'était très important pour toi de lui passer un petit coucou. Donc vas-y, profites-en parce que c'est aussi, voilà, il y a toute une équipe, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les débuts et où on a commencé. C'est ça, complètement. Bah, je voulais faire un petit coucou à Martin parce que j'ai passé une super période de ma vie à m'entraîner avec lui. Et donc, voilà, je voulais faire un petit coucou. C'est practice qui est à côté de la garde, il me semble, non? C'est ça? C'est ça, ouais. Alors, il y a une personne qui répond à mon petit commentaire sur l'Angleterre et la France qui dit « il n'y a pas de Brexit dans le golf ». C'est vrai. Alors, une autre chose intéressante, Pauline, aujourd'hui, tu sais que voilà, les golfeurs, par exemple, Alexander Levy, avec qui on a eu l'occasion de faire un live aussi il y a quelques semaines, s'entraînent d'une façon où il y a de la musique dans les oreilles. C'est souvent la question qu'on me pose pour ou contre la musique. Et toi, pour le coup, tu as un point de vue assez intéressant sur lequel on a échangé ensemble en off. C'est que tu me disais que toi, tu avais toujours de la musique dans les oreilles, quoi qu'il en soit, et même quand tu étais sur le parcours, tu chantonnais des chansons. Est-ce que c'est une façon pour toi, dans les moments sous pression, dans les moments importants, de te garder en fait relaxé, détendu, par exemple? Oui, complètement. Sur le parcours, ça, parce que j'aime bien discuter avec les filles dans mon groupe, mais des fois, bah, on tombe sur des filles qui aiment pas beaucoup discuter, donc il faut faire passer le temps. Parce que finalement, on est concentré que 10 minutes par trou, même pas. Donc, on va passer le temps autrement. Et donc, oui, c'est vrai que bah, j'ai pas mal de musique que j'aime bien. Et donc, dans ma playlist, j'ai beaucoup de musique qui sont liées à un tournoi en particulier. Et donc, c'est cette musique que, sur le parcours, bah, je m'amusais à chantonner ou des fois à faire du yaourt complètement parce que je parlais peut-être un peu moins bien anglais, donc c'était rigolo, donc je me disais mince, ça serait bête qu'il pleuve, donc je chantonnais, voilà, donc alors, je chantonne beaucoup. Et quel type de musique il y a dans la playlist de la numéro 1 mondiale pendant qu'elle est en tournoi, qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist? Je dirais qu'il y a un peu de tout, pas mal de rock des années 80, pas mal de piano, pas mal de, un peu de rap, ce qui déplaît un petit peu à mon papa parce que des fois il y a des raps qui sont pas tip top. mais non, il y a vraiment de tout. J'écoute pas beaucoup le rap français malheureusement, mais j'ai plein d'autres trucs et quand je vais m'entraîner, ça va être au grand jeu, ça va être de tout. Quand je tape du drive, j'aime des drives, j'aime bien avoir du rock dans les oreilles, ou quand je putte, j'aime bien avoir du piano.
Donc, j'ai même réussi à diviser ma playlist pour que ça me donne que des morceaux de piano ou que des morceaux de des années 80 avec des super Trump ou Cool, génial, j'adore, j'adore, parce que c'est vrai que voilà, le practice, des fois, pour vous, les joueurs qui s'entraînent toute la journée, tous les jours, bon, je sais qu'il y a certains amateurs qui vous jalousent un petit peu, qui souhaiteraient pouvoir s'entraîner plus comme vous, mais en même temps, pour une, voilà, qu'une personne qui fait ça de son métier dans un sens, même si tu es amateur, tu t'entraînes énormément, et le fait d'avoir de la musique, c'est aussi une façon de rester en fait dans le rythme de l'entraînement. Et de pas aussi se fatiguer ou tu vois ou être un petit peu ennuyé. Si tu le permets, Pauline, je voudrais terminer ce Facebook Live en parlant un petit peu de la façon où les amateurs maintenant, les amateurs de haut niveau, approchent leur carrière. Comment ils font? Parce que le thème de ce live, comme tu le sais, c'était comment devient-on numéro un mondial? Je voulais mettre l'accent sur le fait que tu avais un gros entourage autour de toi. C'est vrai qu'on a parlé de l'aspect professionnel, mais il y a l'aspect personnel, suivi, aidé par tes parents, ton frère qui est un très bon joueur de golf. Donc, tu vois, tu as une famille qui a toujours été là pour toi, qui t'a toujours soutenu et aidé. Et là, pour le coup, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, quand les amateurs avaient beaucoup de mal à transitionner entre le monde amateur et professionnel, parce que quand ils étaient amateurs, ils n'avaient aucune notion de ce qui se passait sur le circuit, comment on devait s'organiser, combien de coachs, prépa physique, prépa mentale et tout ça. Enfin, voilà, il n'y avait aucune de ces connaissances dans la vie d'un joueur amateur. Mais aujourd'hui, toi qui es numéro un amateur, tu vois l'entourage d'un joueur professionnel. Ce qui fait que la transition finalement entre le monde amateur et professionnel se fait d'une façon assez naturelle et fluide, parce que tu es déjà conditionné, préparé pour ce monde-là. Donc, à quel âge est-ce que ça a commencé, ou petit à petit tu as toute cette équipe qui s'est construite autour de toi? Et comment est-ce que toi, ça t'a permis de gagner aussi confiance en toi, dans tes habiletés, et te permettre en fait de te rapprocher maintenant du monde professionnel? Mon équipe s'est montée vraiment au fil des années parce que au début j'étais vraiment que avec Alain et avec un petit peu le coach de la Fédé, Mickaël Maillot, qui m'aidait un petit peu sur les tournois parce que je faisais partie de l'équipe de France Girls, donc il était vraiment les yeux d'Alain et donc il rachetait jamais, c'était juste le même vocabulaire et donc au fil des années j'ai pris l'expérience, j'ai eu des mauvaises expériences à écouter peut-être les personnes qu'il fallait pas et donc j'ai vite compris que bah, pour aller vers le plus haut niveau, il fallait peut-être s'ouvrir à d'autres horizons, même que ce soit pour apprendre. Et donc, c'est bon, c'est comme ça que j'ai commencé à. J'ai rencontré Patricia, avec qui ça a tout de suite collé. Et puis après, je me suis dit que je voulais que le petit soit aussi précis que le grand jeu. Donc, j'ai rencontré David. Et donc, ça a été vraiment petit à petit. Et comme j'avais en tête cette image de. J'ai pas plusieurs coachs qui sont dispatchés avec un discours qui est différent et donc où je vais galérer à trier les informations, où je vais en avoir trop. Là, c'était vraiment tout construit autour d'une équipe et donc ils ont tous adopté le même langage. Tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait et on échange beaucoup, on communique beaucoup. Et donc c'est avec l'expérience et le temps que j'ai réussi à construire et qu'on a réussi à construire vraiment cette équipe solide. Ouais, donc petit à petit, il y a les piliers qui se sont en fait posés, qui sont construits autour de toi. Et wow, c'est absolument incroyable de savoir aussi qu'autant de personnes, parce qu'une équipe composée de 4 à 6 personnes autour de toi, le fait que tout le monde soit sur la même page, vont vers le même objectif et résultat. Est-ce que ces coachs communiquent entre eux? Est-ce qu'il y a par exemple un groupe WhatsApp? Je ne sais pas, moi je suis en train de. Je pense à haute voix, mais est-ce qu'il y a des façons où vous communiquez entre vous pour créer cette facilité de communication? On n'a pas de groupe WhatsApp, mais parce que c'est comme si ça se faisait assez naturellement. C'est-à-dire que moi, c'est assez naturel de communiquer avec Alain et puis après je vais avoir Patricia au téléphone, lui dire comment j'ai évolué avec Alain. Avec Amélie, c'est pareil. Je vais en parler avec Patricia. Je vais parler du travail de ce qu'on fait avec David, avec Alain. Et eux, ils vont tous communiquer en même temps pour que ils soient au courant les uns des autres. Et puis, je voudrais juste glisser que ce qui est très important aussi, juste avec la fac américaine, c'est d'avoir des coachs qui comprennent justement ce projet-là et cette équipe que j'ai. Parce que du coup, mon coach à la fac, Kellen Anderson et Kevin Williams, l'assistant coach, ont intégré eux aussi cette équipe. Donc, j'en parle un peu moins parce qu'ils sont vraiment surtout là pour me soutenir et vraiment être les yeux d'Alain aux États-Unis. Mais ils ont vraiment intégré un peu cette équipe et donc voilà, c'était
Non, Top, top. Pauline, je voudrais finir ce live par une toute petite dernière question. Et avant ça, je voudrais encore une fois te féliciter pour le parcours, j'ai envie de dire, admirable que tu as eu depuis ce jeune âge et de faire ce que tu as accompli avec autant de maturité. Encore une fois, je le précise parce que c'est juste fabuleux de parler en fait à une joueuse de 19 ans qui a déjà cet entourage autour d'elle qui est structuré, toutes les choses ont été mises en place et en fait, la réussite ne vient pas par hasard. C'est pas du, comme on dit aux États-Unis, du overnight success. C'est en fait, c'est des années de préparation pour arriver à un résultat qui est en fait juste le début du long chemin qui t'attend et tout ce que tu vas entreprendre par la suite. Pour les jeunes joueuses peut-être qui regardent cette vidéo, les jeunes joueuses, peut-être les parents qui regardent cette vidéo et qui ont une fille, qui sont en train de se dire, moi je voudrais bien jouer au golf, qui sont peut-être un chiffre d'handicap comme toi à 11-12 ans, et qui regardent qu'il y a une joueuse française qui aujourd'hui est numéro 1 mondial, la meilleure joueuse au monde. C'est quand même dingue de juste de dire ça, ça doit être une fierté incroyable. Mais si tu avais un petit conseil, une chose que tu pourrais transmettre à ces jeunes joueuses qui ont envie de suivre ton parcours, ça serait quoi? Je dirais que il faut que le golf reste toujours un loisir, qu'il faut toujours trouver ce côté fun, s'amuser, prendre plaisir, et que ça devienne jamais un fardeau de jouer. Et puis un petit conseil pour les parents aussi qui pourraient regarder, c'est de toujours soutenir les enfants et qu'il n'y a pas d'échec, mais que de l'expérience. Et donc des fois on peut se sentir un peu découragé quand les résultats payent pas tout de suite, mais si on est soutenu et on croit au processus, ça aide beaucoup, et d'avoir des parents qui le rappellent un petit peu. Des fois, c'est un peu chiant, les parents, quand ils répètent les choses, mais ça, c'est le genre de truc où c'est vraiment agréable d'avoir ce genre de répétition, où croit le processus et continue de travailler à fond. J'adore ce que tu dis. Il n'y a pas d'échec, il y a uniquement un apprentissage, c'est uniquement des expériences qui nous permettent d'avancer par la suite. Et j'ai beaucoup aimé aussi le faut que le golf reste un loisir, une passion. Parce que si on veut exceller dans quelque chose, si on veut devenir le meilleur dans quelque chose, il faut être passionné. Parce que c'est des heures de travail, mais en fait, les personnes qui sont passionnées, qui aiment ce qu'ils font, ils ne voient pas le travail de la même façon que les personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font. D'ailleurs, ce mot travail peut être vu d'une façon positive ou négative, dépendant de comment en fait on entreprend ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est pour ça que les gens passionnés comme toi et moi, voilà, moi dans le coaching, j'ai pas la même passion que le jeu que toi. Et le fait que tu es là, voilà, ça encore une fois, ça montre que tu es pas là par hasard. J'aurais juste terminé, Pauline, par lire quelques commentaires, des encouragements en fait, de la part de Bruno qui dit bravo, je prends la phrase, pas d'échec, une expérience. Il y a une personne qui dit Marc-Antoine, ouais, il y a Marc-Antoine qui normalement qui dit il n'y a pas de mystère, il n'y a que le travail de groupe, tout au profit du joueur qui paye sans guerre d'ego. Donc bravo. Donc il y a Bruno qui dit bravo en tout cas, on va vous suivre encore plus. Donc c'est vrai que c'est une occasion aussi pour les personnes qui peut-être en fait n'ont pas eu l'occasion de te voir aussi. Donc là vous allez pouvoir suivre, mais vous allez entendre de plus en plus hein, le nom Pauline. Moi je l'ai entendu il y a 5 ans, mon père me l'a dit il y a 5 ans, j'étais. Mais maintenant là, ça y est, là Pauline elle est là, elle prend sa place. Des personnes, encore un dernier commentaire, Lisa qui dit un grand merci une fois encore pour ce chouette moment partagé avec plein de petites icônes qui. Encore un tiers. Tac, tac, tac. Ah, il y a une personne qui dit go Gamecocks. J'imagine que c'est. Est-ce que c'est l'université? Yes, Ok, c'est go l'université que Cox. tu vois. C'est nous. Il y a cet esprit d'appartenance. Quand on est dans une université, c'est à vie presque après. Hein. T'as vu? C'est Ah, complètement. dingue. Hein. Complètement. C'est un truc de fou, l'ampleur que ça prend, hein, de faire partie d'un programme comme ça. Dès que les gens, même dans la ville, ils nous voient avec un go Gamecock, ils sont là, go Cox. Et ils sont hyper admiratifs. Karine Mathieu qui dit génial Pauline, ces conseils, bravo à toi et tous ceux qui t'entourent. Rémi Bédu que tu as eu l'occasion de rencontrer à l'Evian Championship qui dit il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience, bravo Pauline. Donc voilà, donc que des encouragements Pauline, encore une fois un énorme merci. Tu vois, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est en live ensemble et ce live-là je l'attendais avec impatience parce que tu vois, j'adore rentrer à l'intérieur des cordes du team en fait, du joueur pour apprendre. Savoir qu'est-ce que ce joueur a fait et puis en même temps pouvoir transmettre toutes ces informations avec les personnes qui nous regardent, qui leur permettront à eux, je l'espère, s'ils sont parents ou coach ou joueuses, de se dire, bah tiens, à travers ce live, il y a peut-être une chose que je vais prendre
on va peut-être retrouver une autre joueuse dans 5 ans qui sera dans ta position et qui a dit, ouais, tu sais quoi, c'est parce que j'ai entendu le live avec Pauline il y a 5 ans et Pauline, j'ai entendu qu'elle a dit un truc et ça m'a fait tilt. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'adore ces moments partagés en direct et un grand merci encore une fois à toi. Et reste avec moi un petit peu, je vais quitter le direct et puis je vais dire un petit au revoir en off. Mais un grand merci à toutes les personnes qui, Jean-Philippe Prince qui dit quelle maturité, donc ça on l'a dit à plusieurs reprises, mais un grand merci encore pour tous les commentaires. Retrouvez-nous dès demain. Demain on est mercredi, ça veut dire que c'est le programme sportif. Vous ne serez pas malheureusement avec Pauline, mais avec Cyril Le Guasigo qui il le dira lui-même, n'est pas. Ce ne sera pas aussi joli à regarder que Pauline qui fait du sport dans le jardin, mais ça sera un très très bon réveil matinal sportif avec Cyril qui est coach TPI, qui pourra vous donner des super conseils pour vous permettre d'améliorer vos capacités physiques et taper la balle plus loin, acquérir plus de régularité. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver nos deux intervenants, John Lesson, Rémi Bédu et Guillaume Biojo, donc trois intervenants tout au long de la journée. Et jeudi, moi, je serai en direct avec Thomas Détry, le joueur belge du Tour européen, qui va partager avec nous, lui aussi, ses clés du succès. Donc, encore une fois, un grand merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.